Bon. On va aller pour le donner, Spiro. Ah bah c'est raté. Je vais pas en dire trop hein, pour pas se voir. Nous avons réussi à capturer les œufs, votre majesté. Tous jusqu'au dernier. Excellent. Finalement, vous servez peut-être à quelque chose. Maintenant, allez garder les tunnels. Empêchez quiconque de passer. Oh, c'est un petit peu bloqué, donc. Les gros, ils peuvent pas y aller. C'est pour ça que c'est Spiro qui y va. Ces passages. Oui, allez, en avant. Ah, pourquoi tu ne peux pas y aller? T'es trop gros. Trouve les œufs et rapporte-les, Spiro. Tu es notre seul espoir. Je m'en occupe. Oui, on a gagné au pouvoir. Hein. Yep, le jeu commence. On a beaucoup moins de vie. Ok, on peut quand même faire pas ça et Sparks. On va commencer par le niveau du cellulaire en premier. D'abord, on fouille le niveau pour visiter. Hop. Ah, il y a un œuf là. Oui, on peut toujours nager. On peut pas aller sous l'eau parce qu'il y a rien sous l'eau. C'est pas assez profond. On est passé à côté d'une ville quand même. Et 2-5. Et hop là. Le premier œuf. Sur je sais pas combien. Ok, ça sauvegarde à chaque œuf donc. Ça va, il y en a beaucoup. On va aller voir le carnet. Prendre compétence. Ok, il y a 2 pages comme avant. Il n'y a que 2 pages. Il est un peu plus grand quand même. Faut pas trop s'approcher de là sinon. Il va se passer un truc. Je peux pas, tu me bloques. Recentrer la caméra, utilise centrer la caméra. Ah bah c'est vachement utile.
Ah, elle rebondit moi. Alors, c'est toi qui dois sauver les œufs, hein? Comme c'est triste. Écoute bien, dragon. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu vas faire demi-tour et retourner dans ton trou. Ces œufs nous appartiennent maintenant, et je les ai si bien cachés qu'un millénaire ne suffirait pas à les retrouver. C'était bien caché, hein. Nos armées parfaitement entraînées te poursuivraient pour les reprendre. J'ai été claire. Si je te revois, un peu plus 1940. Je serai très en colère. On la sent un petit peu plus dangereuse qu'avant, mais bon. Elle ne faut pas faire grand chose. Hein. Évidemment, le gros sou est là. Hein. Et c'est celui-là que nous devons faire en premier. Chasseur, il peut l'attendre à voler. Hé, hey, Spyro, j'ai découvert un de ces portails qui mène vers un autre monde. Mais tu devras planer pour le... On s'est volé, hein. Hop. J'ai vu quelque chose briller dans cette grotte. Allons voir. Tu peux y parvenir en battant des oui, ailes. Oui, chasseur, bat des ailes, vas-y. Allez, c'est vachement bien caché les œufs. Il y a un lien entre eux. Les petits chiens. C'est pas des dragons. Ok, à peu près. Hop là. Et les super vols sont déjà activés. On répond à l'œuf qui est là-haut. Avant. Elle file là. Hein. Là. Oh, c'est un ami. Ils étaient plus mignons avant quand même. Là ils ont une drôle de tête. Ils étaient un peu plus gros avant en fait. On va rien oublier hein. De toute façon on peut faire ça pour... Ça pour trouver. Et si on monte en super vol, on perd le super vol. Ah, hop, c'est perdu. Alors que j'ai traversé toute la grotte avec, hein, mais. On peut pas sortir avec, en fait. Ah, oui. Ah, il y avait là. Je sais plus comment c'est pas que je vais avoir que. Je sais comment avoir les pouvoirs, mais je sais pas qu'elle va avoir. Que ça, normalement, on le débloque. Ah, on a oublié. Voilà. Et ça, c'est un vieux portail. Au pire, on lui demandera. Chasseur, qu'est-ce que vous avez la caméra du jeu est actuellement en mode ah, c'est pas chasseur si qui fait ça. Ok, je. Elle est très bien comme ça. Ah, pour avoir des vies. Les boss sont un peu moins durs, hein, même si c'était pas très dur avant. Oh, il est gros. Lui, il est mignon. Lui, on dirait un vrai bébé. Allez mourir! Donnez les papillons! Toujours pas le bleu! Hop, c'est là! Donc il faut 10, on est à. Je suis en retard pour le dîner à la loge Tiki, et le portail qui y mène ne fonctionne plus. Peut-être qu'il fonctionnera à nouveau quand quelques autres dragons auront éclos. D'accord. Parce que les œufs de dragon, ils génèrent de la magie en fait. On a la moitié, on prend un peu de la monde. Je vois un œuf au fond. Voilà, ça va faire 6. Il nous reprend à plonger, mais bon, on vient de le faire dans Spyro d'avant, donc. Ah, mais il est là. C'est Bruce. Et voilà. 5 sur 5, ok. Ah, c'est les 10 que j'ai gardé tout à l'heure.
On a 5 œufs. On a fait la moitié, quoi. Ah, c'est un poil plus maniable, mais... Il y a encore des efforts à faire. On voit mieux ce qu'on fait, au moins. Au moins, on peut viser, maintenant. On était vite perdu dans le 2. Quand on va sous l'eau. Et là, c'est le circuit, il faut 20 œufs. Je pense qu'il y a 5 œufs par niveau, donc ça devrait être possible. Mais qu'est-ce que c'est celui-là? Ouais, 14. On va faire les deux premiers niveaux et voilà, on pourrait rentrer, je pense. On a bien celui-là. Combien? Oh. Voilà. Ah oui, dans... dans la petite maison là. Voilà. La petite maison. Plus tard, c'est après le niveau. Hein. À la fin de chaque niveau, on peut y aller pour avoir un nouveau pouvoir. Il y a un mini-jeu à faire. En tout. Ah ouais. Ah oh, ok. T'en as pris, hein, tant qu'on l'a. Combine une jarre. Bon, je peux pas le faire en sautant, mais c'est pas grave. Mais là, il y a encore un an. Oh. Après, qu'on s'est pas rapproché de gros sous, il y a forcément un trait de lui. Alors, il en manque que 3. Pas plus de. Voilà. Oh, j'aime bien là. Ah, on a bien un dedans. J'imagine. On fait ces trois niveaux là, on a assez pour aller dans les trois autres, je pense. Ok. On va plus vite en volant. Et là. Voilà, niveau fini, 100%. Bon, premier niveau. Voilà. C'est amusant de te voir ici. Je ne t'avais pas revu depuis que tu as vaincu Ripto à Avalar. Je dois dire que mes affaires ont périclité après ton départ. Mais t'as tout perdu. Alors, je suis venu ici et j'ai négocié un bon contrat avec la sorcière locale, une femme adorable qui semble beaucoup aimer les dragons. On me paye une fortune pour garder Sheila le kangourou enfermé. Ce satané animal a dû causer beaucoup d'ennuis à cette pauvre sorcière. C'était pas là. J'imagine que je peux accidentellement laisser le kangourou s'enfuir. Si tu paies, disons, une petite commission. Ah merde, je fais plus de 1 bilan. Je fais plus de chat. Attendez. Pourquoi il n'y a plus de chat? Ah, voilà, il est là. Ah, Spiro, j'adore ta naïve innocence. Ton cœur pur causera ta perte un jour. Ouais. Ou la tienne. Et pour l'instant, il me rend riche. J'espère que tu apprécies la faveur que je te fais en te laissant sortir. C'est bien gentil de ta part. Rien de personnel, hein. Tout à fait. Après tout,
Je ne fais que mon travail. C'est tellement mieux fait. Je suppose que tu es un dragon, non? Oui, je m'appelle Spyro. J'aurais jamais pensé en voir un. Les dragons régnaient sur ce monde autrefois. Et d'un coup, vous êtes tous partis. Pouf! Il y avait des dragons ici? Tu ne savais pas? D'après ce qu'on dit, c'était il y a plus de 1000 ans. Et ils sont partis, comme ça. Oui! Et le plus étrange, c'est qu'après leur départ, la magie de ce monde a comme disparu. Il paraît même qu'il y avait de la magie partout. Des navires volants, des forêts chantantes, des pierres de souhait, tout. Et quand les dragons sont partis, plus de magie. C'est pour ça que certains portails ne fonctionnent pas? Oui, ils commencent à s'éteindre aussi, l'un après l'autre. Bon, je dois rentrer chez moi, remettre un petit peu d'ordre. Viens me voir quand tu veux. Non, on va y aller tout de suite. Il y a un niveau où on a besoin d'elle, donc... Elle aurait été dans son portail. Voilà, dans sa prison. Alors, on peut faire des flammes. On va y arriver. Allez. Je crois pas que ce soit possible. Merci encore, Spyro. Il faut que j'aille voir ce que cette affreuse sorcière a fait de ma maison pendant que j'étais enfermée. Salut, Sheila. Pendant ton absence, un tas de Rinnok nous ont expulsés de nos maisons. C'est pas grave. Bobby, Pete et moi, on a un super plan pour les récupérer. Ils sont un peu fous, les personnages dans ce monde-là, donc... dans ce jeu. Donc leur plan, ça peut très facilement être... On a un plan pour nos maisons. On va tout faire péter. Mais il a un double saut. Il a même un triple saut, si je me bien. Elle n'est pas le plan, hein, c'est pas un vrai monde. Hop, tu gagnes. Faut que c'est au corps à corps. Parfait. Hop. Voilà. C'est pas un double, c'est pas un triple saut. Mais. Si on saute exactement au moment où on touche le sol, on saute plus loin après. Hop. Et ça fait un double saut. Pour faire un double saut, maîtrise-le et tu pourras. Si t'appuies sur sauter et que t'appuies sur sauter, et ben tu double sautes. Ah, enfin chez nous. Tiens, je gardais ça pour faire une omelette, mais tu en feras. Oui, oui, on en fera un dragon. Il y en a tellement qui veulent les bouffer, vraiment. Dans le ciel. Mais bon, il n'y a rien. Ah, il y a des gemmes là-bas. Vous n'avez pas vu. Là, on en vient. Ah, on veut les vies. Dégage, Rodolphe. C'est moins précis qu'avant. Avant c'était vraiment au millimètre près, c'est hop, toup. Là j'ai l'impression d'avoir masse le temps. Ça augmente pas les dégâts, hein, si on... Après un double saut. Non. Je sais pas si on peut appeler ça un double saut. Ah oui, les pierres elles les démontent. Hein. Elle les démonte, hop. Salut Sheila, on va faire une blague. Prends cet œuf et écrase-le sur la maison de Billy, ok? Je dois me venger de la fois où il m'a poussé sur la falaise. Sur la falaise, hein, pas de la falaise. Mais non, il va éclore en fait. On va rien faire. Si, là-bas. Je savais qu'il y avait une grotte cachée. Enfin, cachée.
Si tu le tournes pas, tu les vois pas. Allez, viens ici. Voilà. Oh, il y aura deux. Ouais. Oh, on est 42 minutes. C'est pas traîner alors. Hop, là. Elle doit faire ça, hein, faut. Hop. Il nous faut tout. Sinon, ça génère des. Voilà. On a vu un qui est sorti de la maison. Je voulais péter avant ça. De là. J'ai esquivé le coup en rentrant dedans. Hop, dégage. Il lui esquive. Ah, une bleue. Après les niveaux de sauvetage sont pas très longs. Surtout le tuto en fait. Merde, il m'a eu. Non, je l'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a bouffé une fois. Puis bon, on a spark où sont les gemmes. Elle veut pas. Mais là, donc, je prends pas. Merci du coup de main, Sheila. Voilà un œuf que j'ai trouvé dans ma maison. Ah oui, il a très bien caché les... Ah, bah non. Ah, là, on a plus... Si tu oublies comment contrôler un personnage ou un véhicule, ouvre le menu de pause et sélectionne « Contrôle ». D'accord, un pion. Contrôle, ok. J'espère qu'il faut appuyer sur le contrôle, hein. Encore deux là-haut. Il y en a un là, voilà. On ne peut pas le voir plus, hein. Ah, abusé. D'accord. Il y a beaucoup de trophées, j'ai l'impression. On a pas tout. Encore un peu, on va rentrer dans le dedans. Voilà. Ah, mais là, rien plus. Ou quoi? Ah voilà. Ah là, 14 de 400. Il va à 100%. Non, carnet, qu'est-ce qui se passe? Il y en a où? Alpes de Félan. J'ai pas vu dedans. Pas de A. Ok, il m'a pas sorti. Hop, à la maison. Ah non, pas de fin. Ok.